Halte aux idées reçues. Halte aux idées reçues. Halte aux idées reçues. Halte aux idées reçues. Aux idées reçues. Nous sommes une classe de terminale bac pro apprenti au CFA agricole de Montoire-sur-le-Loir. Avec notre film, on voulait travailler sur l'image que les gens ont du monde agricole. Nous sommes donc allés à Vendôme pour demander aux habitants ce qu'ils pensaient de l'agriculture. On avait déjà le film en tête avec des réflexions du style « Ces agriculteurs, ils se plaignent tout le temps ». Mais les réponses n'étaient pas vraiment celles auxquelles on s'attendait. Au premier. Alors agriculteur, ça évoque pour moi ceux qui travaillent pour notre nourriture, pour nous nourrir. Hein. On n'a pas fait attention. Et puis au troisième, on a commencé à se poser des questions. C'est un travail qualifié, c'est un entrepreneur, c'est un travail absolument nécessaire pour chaque pays, chaque nation. Agriculteur, pour moi c'est le patrimoine de la France un peu. Hein. C'est pas possible. Comment ça se fait qu'ils nous disent ça? On pensait que les gens allaient nous dire qu'on s'est laissé les routes, qu'on faisait du bruit et qu'on bloquait la circulation. Quant à la place de la femme dans l'agriculture, on s'attendait à ce qu'ils nous disent que la femme n'a pas le même rôle que l'homme dans une exploitation agricole. Bonjour, bonjour, monsieur Dupont, commercial Agrivite. Je voudrais parler au patron, s'il vous plaît. Oui, c'est moi le responsable. Ah bon? Est-ce que vous pensez que les femmes ont la même place que les hommes? Ah, pas du tout, non, elles ont plus de mérite que les hommes en proportion. Hein. Parce qu'ils ont quand même, ils vont dans les champs, ils vont un peu tout, ils ont leur maison, ils ont tout ça à s'occuper quand même, hein. Un peu plus que les hommes. Hein. La femme agricultrice, pour moi, elle a le même rôle que l'homme. Elle a les mêmes possibilités que l'homme, surtout qu'aujourd'hui, les femmes agricultrices ont la même formation que les hommes. La femme a autant sa place que l'homme, mais elle a autant de droits que l'homme, parce qu'elle fait autant, parfois plus. On s'est trompé sur certains points. Mais sur d'autres sujets comme la pollution, on n'a pas eu que des réactions positives. Est-ce que vous pensez que les agriculteurs polluent ? Eh bien, malheureusement, oui. Dans l'agriculture traditionnelle, enfin, qui est devenue traditionnelle, mais qui n'était pas traditionnelle avant, oui. L'agriculture qui utilise tous les la chimie, je pense qu'elle pollue. Disons que moi, ce qui me choque, c'est quand je vous vois, quand je vois les agriculteurs dans les champs avec leur traitage, là, qui sont en train de traiter et tout, ils ont les masques, ils ont tout. Je trouve que quand même. Ça choque. Ça choque quand même. Ça doit quand même beaucoup polluer, quoi. Il faut des agriculteurs, il en faut. Mais il ne faut pas non plus qu'ils nous vendent non plus n'importe quoi pour. Qu'on attrape des cancers, quoi. C'est ça le problème. Quoi. Mais ça, c'est depuis au moins une cinquantaine d'années que c'est comme ça. Hein. Ça ne va pas changer comme ça du jour au lendemain, hein, c'est sûr. Il faudra du temps. Quoi. Là, je reviens de Bretagne. Bon, effectivement, on ne peut pas dire que ce n'est pas pollué. Je ne vais pas dire que c'est à cause des agriculteurs. C'est les méthodes de l'agriculture. Ce n'est pas les agriculteurs qui sont en cause. C'est la façon dont on les fait travailler, dont ils sont obligés de travailler à grande échelle pour développer un salaire. Quoi. Il faudrait aussi qu'ils produisent en respectant l'environnement. Et ça, il y en a qui le comprennent et il y en a qui le comprennent un peu moins. La rentabilité, d'accord, mais est-ce qu'il faut arriver à une rentabilité à tout prix? On se rend compte qu'il y a beaucoup moins d'abeilles, il y a beaucoup moins de miel. On fait de l'importation pour compenser le manque de production. Enfin bon, il faut que ça change vraiment et je pense qu'on va y arriver. De toute façon, on est obligé, je pense. Il n'y a pas d'autre solution. Mais aujourd'hui, l'agriculteur prend de plus en plus en compte l'environnement. Avant, pour désherber, j'utilisais des produits phytosanitaires. À présent, j'utilise un Acticel. Par contre, pendant notre micro-trottoir, on s'est rendu compte que les gens ne connaissaient pas du tout la PAC. Que signifie la PAC pour vous? Un groupement agricole. J'ai vaguement entendu parler, mais je ne sais pas trop. J'ai entendu ce mot, mais je ne sais pas. La PAC, normalement, je crois que ça va bientôt se terminer, tout ça, non? PAC, pour moi, c'est une fête religieuse. La PAC, ça veut dire... Je ne me rappelle plus qu'est-ce que ça veut dire, la PAC, déjà. La PAC, ça doit être le plan agricole... Production, je pense que c'est ça, production agricole commune. La PAC... PAC signifie politique agricole commune. C'est un ensemble de mesures prises au niveau européen pour relancer l'agriculture suite au désastre de la Seconde Guerre mondiale.
Aujourd'hui, la PAC est composée de deux piliers. Le premier, qui sont les aides à la production, et le second, qui est consacré au développement rural. Elle participe à la régulation des prix sur les marchés. La PAC est aussi bien utile aux consommateurs qu'aux petits agriculteurs auxquels elle apporte un soutien. Halte aux idées reçues. Les citadins n'ont pas une image négative de l'agriculture. La femme a toute sa place dans le monde agricole. L'agriculteur respecte de plus en plus l'environnement. La PAC est mal connue des consommateurs. L'agriculture mérite d'être connue et reconnue. L'agriculteur moderne ne travaille pas uniquement la terre, c'est aussi et avant tout un agro-manager. Pour nous les jeunes, le métier d'agriculteur est un métier d'avenir.